Bonjour et bienvenue sur le site automoto.com. Vous l'aurez reconnu, c'est une Clio, mais pas n'importe laquelle. Une Clio RS dans sa déclinaison Profi, c'est écrit ici. Sous le capot, 220 chevaux, un châssis optimisé. Et on va se dépêcher d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Retour à bord de cette Clio RS Trophy, on retrouve une planche de bord inchangée de Clio 4, au plastique parfois mal choisi. La finition Trophy incorpore de nouveaux sièges baquets comme vous pouvez le voir, de nouvelles jantes de 18 pouces et divers monogrammes de part et d'autre de la carrosserie. Sous le capot, le 1.6 turbo d'origine Renault-Nissan passe à 220 chevaux. Son caractère évolue guère, par contre les performances dans l'ensemble sont transfigurées avec un 0 à 100 qui progresse de près d'une seconde et un 1000 m départ arrêté qui progresse de plus d'une seconde. Si la Clio RS nous avait séduit par son homogénéité et son confort, elle manquait vraiment de piment en conduite sportive. Aujourd'hui, les ingénieurs de Renault Sport ont modifié l'amortissement, qui est certes beaucoup plus ferme, mais qui permet des passages en courbe plus précis et surtout beaucoup plus de plaisir de conduire. Affichée à partir de 28 900 euros, cette Clio RS Trophy est certes 3000 euros plus chère que la Clio RS normale, mais on vous la conseille quand même. Après, si vous voulez plus sportif, il faudra vous tourner vers la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport, qui dispose elle d'un autobloquant mécanique, mais est seulement de 208 chevaux. Sans devenir intouchable, cette Clio RS Trophy gentiment radicalisée se replace en haut de tableau au niveau des performances et également offre un bien meilleur plaisir de conduite. À bientôt sur automoto.com.